Bonjour. Donc ici nous avons un exercice sur les vecteurs toujours. C'est un exercice de tri. Donc il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de trier, c'est-à-dire ordonner les éléments d'un vecteur de type réel avec un ordre croissant. Donc il y a plusieurs algorithmes et plusieurs méthodes de tri de vecteurs, de tableaux. Donc ici nous allons voir deux méthodes différentes. La première méthode ça s'appelle le tri par sélection et la deuxième méthode ça s'appelle le tri par bulle. Donc ça, on va laisser pour la prochaine vidéo, la prochaine séquence. Enfin, ce sera la troisième après. Pourquoi? Puisque dans le tri par sélection, on va avoir deux variantes. Donc dans cette vidéo, on va voir la première variante. Ça s'appelle la recherche d'indices du minimum puis permutation. Ça sera successif, c'est plusieurs recherches dans les sous-tableaux. Et deuxième méthode, c'est la variante de la recherche et permutation en même temps. Donc ici, on va se concentrer sur la première méthode. Dans cette séquence vidéo, on va faire la première variante. Donc, on explique la méthode. Donc, on prend un exemple. On prend l'exemple suivant, T, qui a 7 éléments. Donc, il a 15, moins 2, 5, etc. On va essayer de faire l'ordre croissant. Bon, pour l'ordre croissant, ce sera un petit changement au niveau de comparaison. C'est pas méchant. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de faire les recherches dans les sous-tableaux. Donc, la première chose, on va prendre la première itération, le premier passage. On va prendre tout le tableau de 1 jusqu'à 7. Donc, ici, lorsque i égale à 1, on va prendre lorsque i égale à 1. Lorsque i égale à 1, on va prendre, donc on parcourt le tableau. Je vais sauter la ligne pour que ça devienne plus clair, l'itération. Donc on parcourt le tableau de 2 à n. N ici égale à 7. Donc ici, je vais mettre ici n égale à 7. Voilà. Donc, pourquoi de 2 puisqu'on a déjà 1? Donc, avant de faire le parcours, donc les étapes, avant de faire le parcours, on suppose que la position du minimum, c'est 1, c'est-à-dire la première position. La première position, c'est 1. On suppose que la position du minimum, on suppose que 15, c'est minimum. Après, on va parcourir le tableau de 2 jusqu'à n. Et on cherche quoi? On cherche l'indice du minimum. La recherche ici, pardon, minimum. Donc la recherche ici, elle est très facile. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que on va comparer si t de j. Donc ici la recherche du minimum, on va prendre ici j de j égale à 2 à 1. Si t de j, pardon, inférieur à t de position minimum. On va faire l'ordre croissant, donc du plus petit vers le plus grand. On cherche si un élément t du j est inférieur à t position du minimum, alors dans ce cas, la position du minimum, ça sera j. Ça sera j. C'est ça l'idée de recherche. Donc une fois qu'on termine le parcours, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la permutation entre i, permutation entre la position i et la position minimum. Donc entre les deux indices i et position minimum, et ça on l'a fait déjà dans une séquence vidéo, la permutation entre deux indices i1 et i2. Donc voilà. Donc une fois qu'on termine la première itération, ça veut dire que du 1 jusqu'à 7, voilà, i égale à 1, et le parcours de j de 2 jusqu'à n, qui égale à 7, on va refaire la même chose, le même problème, on va refaire la même méthode, mais cette fois-ci en commençant par i égale à 2. Pourquoi? Puisque lorsqu'on fait le premier passage de i égale à 1, on recherche le minimum, on va trouver le minimum ici, moins 33. Donc la position du minimum c'est 4. On va permuter entre 4 et i, et ici i égale à 1. Ok, on va permuter, donc ça devient ici. Donc après le premier passage, ici, on va avoir le résultat. Je vais écrire résultat pour que ça devienne plus clair. Ça devient ici moins 33. Et ça devient ici 15. On a permuté entre le minimum du vecteur et la première place qui est i égale à 1. Maintenant, on va faire la même chose, mais en commençant par 2. C'est bon, cette case-là, on va l'inhiber. Ça veut dire qu'on a traité cette case. Donc, je vais la marquer qu'elle est traitée. Voilà. C'est le remplissage, pardon. Je vais faire. Ok, je pense que c'est ici.
au niveau du remplissage. Voilà, je vais la marquer qu'elle est déjà mettre à sa bonne place. Donc, moins 33, c'est à la bonne place. Maintenant, il reste à refaire la même chose en recherchant le minimum, mais à partir de i égale à 2. Donc, on suppose que la position du minimum, c'est 2. Voilà, c'est le premier élément. On parcourt le vecteur, c'est pas à partir de 2, c'est à partir de 3. Donc, à partir de 3, on recherche la position du minimum. Donc, on compare tous les éléments par rapport à pose minimum qui est égal à 2. Donc, on va comparer entre 5 et moins 2. On va trouver que moins 2 est petit, on fait rien. Donc, on parcourt jusqu'à arriver à moins 10. On va trouver que t de 7 est inférieur à t de 2. Dans ce cas-là, on va faire position du minimum, c'est 7. Une fois qu'on termine, on va permuter entre la position 7 et la position i qui est égal à 2. Donc, on va permettre entre ça et ça. Donc, ici, ça devient moins 10. Donc, je vais faire le résultat après. Ça, c'est la première étape. On va faire le parcours ici. On va avoir un résultat ici. Voilà. Donc, ici, on va avoir ici moins 10 et ici moins 2. Voilà. Très bien, la permutation, ça c'est une case qui est déjà traitée. Voilà. Et on va refaire la même chose pour i égale à 3. Cette fois-ci, i égale à 3. On refait la même chose, on refait le même traitement. I égale à 3. Donc on va supposer que la position du minimum c'est 3. On recherche le minimum à partir de 4, ici, jusqu'à 1. On recherche la position du minimum. Donc la position du minimum ici c'est 7. Et on va permuter entre 7 et 3. Lorsqu'on permute entre la position du minimum qui est 7 et 3, ça devient ici moins 2. Et ici, ça devient 5. Et ça, c'est déjà traité, donc je vais le marquer qu'il est traité. Et ainsi de suite. Donc, comment traduire ça en algorithmique? Donc, en réalité, si vous remarquez, le traitement ici, c'est par rapport à i. Donc, ici, on parcourt i jusqu'à arriver. Quand est-ce qu'on va s'arrêter pour i? Donc, il y a une boucle de i, il y a à l'intérieur une boucle de j pour la recherche d'indice du minimum. Donc, il y a deux boucles imbriquées. Donc, toujours j commence de i plus 1. Toujours j commence de i plus 1. Et la position du minimum au début, on la suppose c'est i. On la recherche. Après, on fait la permutation entre i et position minimum. En fait, cette permutation-là, on doit faire uniquement si dans le cas i est différent de position minimum. On ne fait pas la permutation s'ils sont égaux. Ça veut dire si on suppose ici moins 15 ou bien moins 100, moins 100 c'est le minimum dans tout le vecteur, donc il reste à sa place, on ne fait pas de permutation. Donc la permutation, elle est faite uniquement si la position trouvée du minimum est différente de la position i, de l'indice i. Voilà, c'est très important cette condition pour la permutation. Donc comment traduire ça en algorithmique? Donc en Pascal, on va faire directement le Pascal. Donc premièrement, les variables d'entrée c'est t. Donc n et t, variable de sortie c'est t après avoir trié. Donc on va faire ça. Donc tri vecteur. Donc ici méthode 1, variante 1. Donc on va faire méthode 1, variante 2 dans la prochaine séquence vidéo. Donc uses WinCRT, begin, end. Donc j'enregistre, save, pardon. Save, donc je vais le faire dans l'exemple. Vect tri 1. Donc, vect tri 1, je suppose. Voilà, vect tri 1. Donc, je déclare mes variables. Nous avons le vecteur t, c'est un array de 1 jusqu'à, je prends ma taille maximum 50, over real. Je prends la taille i, je prends l'indice i. Pour le moment, on a besoin uniquement de ça, mais on va ajouter des variables supplémentaires si on a besoin. Pour la partie traitement. Donc ici c'est la partie des entrées. Donc toujours, on va faire des commentaires pour délimiter la partie instruction, la structurer des entrées. Donc nous devons donner la taille du vecteur. Donner la taille du vecteur t. Ici on va faire read n. Après on donne les éléments du vecteur. Les valeurs du t, les valeurs qui sont à l'intérieur, on va faire une boucle. Read t de i. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est les entrées. La partie traitement, on va les laisser vides, on va revenir.
Et la partie sortie, les sorties, donc ici, write, ou bien write-ln, le vecteur t après tri, d'ailleurs, on va faire croissant, le tri croissant, voilà, for i reçoit 1 to n, d'où on va faire write, sans sauter la ligne, on va faire t du i, voilà, on va le formater à 0 position. On ne va pas l'éloigner et deux chiffres après la virgule avec un espace. Donc on peut sauter un ensemble de lignes ici. Write-ln. Pardon. Write-ln. Voilà, je sauvegarde. Je vais voir est-ce qu'il y a des erreurs, d'éventuelles erreurs par compilation. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va aller à la partie traitement. Donc comment traduire cette explication, cette méthode, le tri par sélection, la recherche successive de la position du minimum dans les sous-tableaux. Donc on va faire le premier parcours, c'est le i. Donc le i, il doit être parcouru de 1 jusqu'à 6, jusqu'à n-1. Pourquoi? Puisque le g va commencer par 7. Donc ici, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 7. Si on allait jusqu'à 7, le j va commencer par i plus 1, c'est 8. Et il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de valeur à partir de 8. Donc ici, on va parcourir les éléments du vecteur to n-1. D'où? Donc on va faire begin. Ça, c'est le premier parcours du i. Donc à chaque itération du i, on suppose que la position du minimum, c'est i. Donc ici, lorsque i égale à 1, on a fait position minimum, c'est 1. Lorsque i égale à 2, on a fait position minimum, c'est 2. Et ainsi de suite, lorsque pi i égale à 3, on a fait position i égale à 3. Ça, c'est la première étape. Donc, le premier tiré. Deuxième tiré, on va parcourir le tableau de i plus 1 jusqu'à n. Donc, avec un autre indice, j. Donc, de i plus 1 jusqu'à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher la position du minimum. Si on trouve une case t de j qui est inférieure à t de position minimum, ça veut dire qu'on a trouvé une valeur minimum dans une case j plus petite que l'indice supposé. Dans ce cas, on corrige l'indice du minimum, la position du minimum, on reçoit j. Donc, on déclare les variables additionnelles. Nous avons j et nous avons position minimum. Donc, je viens ici, j et position minimum. Donc ça, c'est des entiers. Voilà. Donc voilà, ici, c'est la deuxième étape, le parcours et la recherche de la position du minimum. Donc ça, c'est la recherche de la position du minimum. Je vais faire quelques commentaires pour expliquer. Ici, on va faire un petit commentaire avant pose min reçoit i. Ici, c'est une supposition. On suppose que la position du minimum est i. Du minimum et i. Voilà, l'indice de la position c'est i. Voilà. Après, il y aura une boucle, c'est la boucle de recherche de position du minimum. Donc ici, la recherche de la position du minimum entre i plus 1 et n. Voilà. Maintenant, ici, on va faire la troisième étape dans le parcours du i, c'est la permutation entre la position i et pose min. Donc, on peut faire directement la permutation. Donc, pour faire la permutation entre deux variables, nous aurons besoin de troisième variable temporaire. On va faire ici tmp, temp, la variable temporaire tmp. Donc, temp temporaire reçoit t de i. T de i reçoit t de pose minimum et t pose minimum reçoit temp. Donc on peut déclarer z ou bien temp. Donc on doit déclarer la variable temp. Donc c'est une variable réelle obligatoire puisque les valeurs du vecteur sont réelles. Voilà. Donc ici je peux compiler. Voilà, je peux compiler pour voir est-ce que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. F9, la touche F9. Donc ici c'est reçoit, j'ai fait une petite erreur ici, voilà, F9, et voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc je sauvegarde, save. Donc ici, la permutation, on l'a fait directement, mais on peut optimiser le programme si le i est différent de position minimum, donc on ne fait pas de permutation. Donc ces trois instructions-là sont uniquement exécutées si on est sûr que la position du minimum est différente du i. Donc si la position du minimum est égale à i, on ne fait plus de
de permutation. Donc ces trois instructions sont conditionnées par la position du minimum et différent du i. Donc je décale l'indent le code. Voilà. Et comme ça, nous avons terminé. Donc voilà la méthode de recherche, la méthode de tri par sélection. C'est-à-dire on recherche la position du minimum entre i et n. Et une fois trouvé, on va permuter entre la position i et la position du minimum. Maintenant, i va à 2, on va rechercher le minimum de 2 jusqu'à n, et ainsi de suite. Par la suite de 3, hein. Donc il y a des sous-tableaux traités. Donc il faut dérouler le programme, ce sera mieux de le dérouler pour comprendre l'exécution. Je vous laisse le soin de dérouler le programme, de faire un test. Maintenant, on va exécuter le programme pour vérifier la validité. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il donne un bon résultat? On va le tester directement sur le vecteur ici. Donc, nous devons avoir un résultat à la fin. Je peux écrire le résultat directement ici au début. Donc, nous devons avoir ici moins 33. Donc, le tri, je vais copier-coller. Le résultat voulu, c'est quoi? Le résultat voulu. Donc ici, on doit avoir moins 33, c'est le plus petit élément. Par la suite, ici, c'est moins 10. Par la suite, nous devons avoir moins 2, je suppose. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Après 3, après 5, après 10, j'ai oublié une valeur, après 15. Voilà. Voilà les valeurs triées qu'on nous devons avoir à la fin de l'exécution du programme. Donc c'est le résultat qu'on veut trouver. Donc voilà. Je vais exécuter, on va tester. Donc je sauvegarde, on teste. On va donner la taille du vecteur, on va essayer de tester sur le même vecteur. Ici la taille 7. Donc donner les valeurs du vecteur t, nous avons 15, moins 2, 5, moins 33, 10, 3 et à la fin moins 10. Après le tri, on va avoir moins 33, moins 10, moins 2, 3, 5, 10, 15. Voilà. Je vais faire un autre test. Donc vous remarquez la validité, il est correct. Je vais faire un autre test. Je vais donner un vecteur de 10 éléments. Je vais donner un ordre décroissant. Et donc ce sera le pire des cas, c'est-à-dire les valeurs sont de façon croissante. De croissante, pardon, du plus grand vers du plus petit. Je vais faire 100. 90, 80, 60, 45 par exemple, 25, 15, 10, 8. Donc combien de valeurs j'ai donné? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va donner par exemple moins 1. Donc ici, c'est l'ordre décroissant. Il va carrément rechanger la position de toutes les valeurs. Ça devient moins 1, 8. C'est l'inverse carrément. Donc voilà, vous remarquez, moins 1, 8, 10, 15, 25, 45, 60, 80, 90 et 100. Donc j'espère bien que vous avez compris cet algorithme. La prochaine séquence, on va faire le même algorithme, mais une autre variante. C'est le même algorithme, mais il y aura une petite modification au niveau de la partie traitement. Et donc à la prochaine séquence, donc si vous avez des questions, bien des remarques, vous n'hésitez pas. Bon courage et travaillez bien.